Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour du timeless, encore et toujours, vous allez dire, mais en même temps, c'est le format chaud du moment. Mmh. Euh, ça fait plaisir, ça régale, bouillant. bouillant. Il y a bouillant. plein de nouveaux decks qu'on peut vous présenter. On arrive avec les wildcards qui traînent à créer des decks, à vous les présenter malgré ouais. le coût du format. Euh, et on a eu de, beaucoup de bons retours sur nos vidéos, d'ailleurs ça vous plaît, donc ça fait plaisir. Euh, le format notamment, pas mal de gens ne peuvent pas forcément y jouer, mais sont contents de voir ce que ça donne, de voir les games. Et, euh, et notamment si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne TV euh, pour ne pas louper ça, notamment bah, ce deck-là. Alors pas exactement cette version, mais une version très proche. Je l'ai beaucoup joué en stream, euh, si vous voulez voir ma rediff. Euh, la dernière game va bah, vous étonner. Je vous recommande vraiment d'aller voir la dernière game, ça vaut euh, le détour. Euh, avant de passer... À la Dectec, tech, b anticipation de une confiance, ce qui fait plaisir. Merci au sponsor Playing My Magic Bazar, code Valet PL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Donc merci merci beaucoup. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilée dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats autant que vous voulez. Ça nous soutient à chaque fois et ça fait plaisir. Merci à eux, merci à vous. Merci beaucoup. Là, on a récupéré du coup euh, la liste qui a fait top 8 au dernier Creator Clash, qui est le euh, tournoi entre créateurs de contenu, streamers et professionnels qui a eu lieu euh, sur Twitch. Donc une version euh, très resserrée, très all-in dans le projet de faire venir rapidement un titan primitif sur le champ de bataille pour aller chercher l'élan d'utilitaire dont on aurait besoin au besoin mmh. euh, et puis bah, tout le deck est axé autour de ça que ça soit de ordre naturel qui va sacrifier nos paisseurs arboricoles nous n'avons pas de farouche pour faire venir des titans primitifs sur le champ de bataille on a il était une fois pour trouver ou nos terrains ou nos cartes clés mmh. on a spéléologie pour avancer un petit peu dans notre deck et euh, pouvoir jouer un terrain supplémentaire tout en permettant à nos terrains d'arriver en jeu dégagé ça peut avoir une certaine utilité et puis, euh, globalement, après, le reste, c'est à mana base, en fait. Tout est ouais, terrain qui vont land. essayer euh, de euh, d'interagir, ou en tout cas de proposer ou de la défense ou de l'attaque en fonction de ce que ton oppo euh, fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est déclisse qui joue que deux citadelles en Moi, j'en jouais 4 et c'est extrêmement fort comme carte. Avec Château de Garambrigue. Euh, je... Ouais, avec Château de parce que ça fait deux manas. Et du coup, euh, bah, potentiellement, vous pouvez faire si c'est le tour 2, si c'est le tour 3, euh, tour 1 et 2, pardon. Et après, Château de Garambri, euh, bam! Euh, ça, ça fait du choc à pique. Bon, il faut une forêt pour que ça arrive mais vous avez compris quoi. Euh, ouais, donc ça, ça tu peux le faire ça que pour euh, bah Ça dépend de la façon dont tu t'accélères. Ouais. Ah, mais si tu fais si t'allais le tour 1, si t'allais le tour 2, t'as rien fait sur les premiers tours. Après... Mais non, mais le euh, tour 2, du coup, tu vas t'accélérer avec un des deux pour mettre Château de Gare ah, en Et du coup, au tour 3, tu peux t'en servir directement et faire un titan. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est dommage, cette décliste n'en joue que 2. Que et je joue 3 cavernes des âmes. Moi, celle que j'avais jouée, c'est que je jouais qu'une caverne des âmes et 4 citadelles englouties. Mais bon, grosso modo, euh, l'essentiel le, est le même. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'on a passé vite sur ce que ça fait, Titan, c'est un, une 6-6 pour 6, piétinement, qui quand elle arrive en jeu ou elle attaque, va chercher deux terrains, n'importe lesquels les met en engagés. Et du coup, on joue champ des morts. Une fois qu'on a sept terrains différents, à chaque fois qu'un land arrive en jeu, on fait un zombie de deux. Ça se cumule, donc on peut avoir plusieurs champs des morts pour faire plusieurs zombies. Ça. Notamment sur l'effet d'arriver en jeu. Enfin, quand ça arrive en jeu, ça va trigger plusieurs fois un même champ des morts, euh, si vous avez plusieurs lands ou plusieurs fois euh, les champs des morts qui se multiplient, vous avez compris. Et donc c'est pour ça qu'on joue plein de landes différents pour vite monter à 7. C'est ça, on a quelques landes utilitaires comme Marécage de Boujouka pour attaquer euh, mmh. les cimetières des joueurs, on a Rempart de Hanver pour pouvoir donner la célérité à notre titan euh, primitif, et on a aussi Fontaine Radius pour gagner des PV et Zone de Déflagration pour gérer un petit peu euh, le euh, board de l'adversaire. C'est ça. On a un petit kit supplémentaire avec le repère de l'hydre, parce qu'on monte rapidement à beaucoup de mana. C'est ça. Ça peut, ça peut servir. C'est un deck qui va globalement écraser tous les decks faire du format, que ce soit des decks tempo ou des decks midrange, toutes les soupurions, tous les bases tempo à base de euh, Ragavan et compagnie qui attaquent dans d'épaisseur. Vous allez vraiment les, les démolir. Par contre, c'est un deck qui est très polarisé parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à vous battre contre les decks plutôt combo. C'est un, un deck qui assume clairement son positionnement et son choix. Mmh. Et vraiment, quand vous n'êtes pas armé contre ce deck-là, c'est très dur de le battre. Et inversement, quand vous êtes un deck combo, c'est très facile de, de partir plus vite que lui. Exact. en side, on a les reliques de Progénitus contre les cimetières, les cerveaux de pierre contre les combos, les, ouais. les crétéchines tranquilles contre tout. Ça marche contre aggro, contre combo et contre ceux qui jouent des artefacts d'enchantement un peu relous. Ouais. Enfin, combo euh, cimetière, évidemment, pas combo tout court. Euh, Avant-garde de foudrequel, ça remplace un cerveau de pierre qu'on n'avait pas. Euh, mais en vrai, vous pouvez mettre 3 cerveaux de pierre. Avant-garde, c'est une bonne tech parce que ça gère artefacts d'enchantement. Et en Mirror, c'est une 6-7. Et du coup, bah, le Titan, il est 6-6. Donc, c'est bloqué par l'avant-garde. Euh, et ça ne se fait pas bloquer par les zombies de 2 de votre adversaire. Euh, ça se fait bloquer, bon, par les... Ouais. Euh, par les... Comment ça s'appelle ah non, même pas. Même pas les kimchi en Alors, fait, parce pas. que c'est 2 ou moins. Euh, tyrannax Rex, ça détruit avec un méchant qui joue des counter spell Il vous laisse pas résoudre vos sorts, bah, vous allez résoudre ça et le détruire. Genre, Dimir, il ne peut rien faire contre ça. Mmh. C'est Dimir, il prend. Enfin, il a un spell qui oh remélange, ouais, mais, mais il va sinon, euh, il va prendre. Euh, Behemoth, carreau de cratère, c'est la petite surprise. Des fois, il y a des games, notamment le Mirror, qui vont se jouer. Vous allez faire une bagarre un peu de board. C'est important d'avoir le Behemoth pour aller tuer votre adversaire. Et deux beaux éjeux en side. On l'a déjà en main deck, un, mais c'est deux terrains supplémentaires. Qui contre, de la hate. contre les decks Breach alors il y a beaucoup Un de gens qui nous hate. reprochent de ne pas expliquer quand on parle de Breach, on parle pas de Breach the Multiverse qui est la carte de standard noir pour cette mana qui permet de faire des dingueries mmh. on parle de Underworld Breach qui est une des cartes les gros. plus puissantes de Magic et qui permet de rejouer des cartes du cimetière donc quand en timeless on va parler de la carte Breach, ça sera tout le temps de cette carte là dont on parle, exact. et les Boseiju dans le side sont pour cette carte là voilà euh, ça marche pas Boseiju euh, je crois, pourquoi en réponse il peut pas partir en combo avec éphémère. Alors, ah non, il, un rituel. Il pardon. doit passer par des rituels, donc normalement, non. Alors, je croyais que c'était un éphémère et du coup, ça marchait pas, mais si, ça marche. Et, euh, et ouais, du coup, ce deck, la base, bah, c'est de faire plein de mana avec les messes noires en rejoignant des cartes du cimetière pour faire une vrille d'angoisse bon, et tuer l'adversaire. vous le présentera peut-être. Voilà, voilà. En tout cas, euh, comme ça, vous savez un peu plus de quoi on parle. C'est vrai qu'on a déjà présenté pas mal de decks timeless, plus ceux qu'on a affrontés. Et puis, on est parti. Bah ben ouais, let's go. Classman. On va jouer en, en intemporel avec Greenfield. Greenfield, on dirait une parodie des Simpsons. Ça s'appelle comment la ville des Simpsons Springfield. Ah Springfield, d'accord. Mais tu vois Greenfield, c'est genre ce euh, famille gay, ils vivent à Greenfield. Ouais, ouais. C'est genre euh, la ville des. Euh... La ville verte. Des riches, un peu. Ouais, Greenfield, ouais. ouais. Ou alors euh, une espèce d'écosystème, de... tu vois, genre une éco farm tu vois. Ouais, on ok, ferme. je vois. La ville écologique. La ville écologique, ouais. Après, ça peut être la ville écologique des riches. Ah, oui, Mais souvent, on voit que c'est pas ça. C'est pas forcément correct. Druidib. Allez, le plan, c'est d'accumuler plein de terrain et de tout mettre dans sa face. Moi, ça, c'est un plan qui me parle. Je vois en premier, euh, avec ça, si on trouve un accélérateur, c'est une super main. Si on n'en trouve pas, c'est une main qui s'accélère pas trop. Ouais. Euh, on peut quand même faire T5 le pâté qu'on aura trouvé là-dessus, mais si on trouve que des landes là-dessus, c'est terrible. Ouais. Euh... J'ai je... la sensation. C'est une main gamble. Que c'est fine, mais je suis pas bien certain. On a quand même huit 8 cibles, sachant qu'en bas de Farouche c'est ok, puisque du ouais, coup on ouais. va aura un tour 3 qui va nous trouver un, un tour, euh, tour 6. En fait, n'importe quelle créature c'est ok en fait. Je pense qu'on peut garder. Vas-y, viens on teste. C'est un peu gamble, mais ça va. On aime bien le gambling. Euh, est-ce que je vais essayer de chercher un tour 1 ou est-ce que je maximise Non, je vais essayer de chercher un tour 1. Ouais, je pense. C'est ne sais pas contre quoi on joue. Oh, bon, Il n'y avait va. que ça. Bah ben, voilà, c'est pour ça qu'on a que des landes. Du on coup, va plutôt prendre On va prendre paceur. Paceur, ouais. Le Camille, vu qu'il peut faire autre chose que mettre des landes en jeu, c'est intéressant de, euh, de, de le garder. De ouais, le défausser sûr. pour euh, faire des landes, ça m'est arrivé souvent. Alors là, euh, c'est d'une forêt je ne savais pas. Tiens. On va prendre une forêt enneigée. Parce que justement, le Camille donne des forêts de base. Je crois que si tu avais rien à faire le tour d'après, tu pouvais prendre un lande tape et faire tomber sur le tour d'après. Ça ne retardait pas euh, ton, ton ordre naturel. Euh, effectivement. Là, je me prémunis de, de decks plutôt agressifs. Voilà. Comme ça ouais, c'est vrai que tu gagnes, tu gagnes quelques PV. Parce que ce genre de deck là, vu que nous on va pas le tuer très vite, euh, on va mettre en place un truc. C'est important de préserver ton pool de PV, puisqu'une fois que tu as passé le mmh. seuil du board et qu'il peut pas te tuer au blast, tu, mais... tu as gagné. Il est fort parce qu'il passe le seuil du board lui. Il a double Mishra's Bobble, mon. Ouais, c'est ouais. bien joué. Il est, il est très chaud. Écoute, fontaine radieuse, il est eu Brig Euh... Oh, tu peux décider de chanter mort-charvier en même temps. Pour, je pourrais avoir besoin du mana, ouais. Donc je vais préférer jouer ça. Cela dit, lui, laisse-moi te dire que sur ordre naturel, il va pas avoir beaucoup de réponses. S'il tue pas le blessure maintenant, c'est bon. S'il si le tue maintenant, il streamac. J'ai l'impression que c'est pas son plan. Je vais prendre, parce qu'il ne ouais, ouais, pas grand-chose. donc. Bah, s'il si streamac après, c'est assez légitime de s'attendre à ordre naturel. Il a, il a raison de le tuer, quoi. Ouais. Ok. Euh, on va survivre un peu. Fâche, fâcheuse tendance, je le... te. Fâcheuse tendance le deck à vous donner des ordres naturels comme des plus bêtes. Algorithme. Ouais, pourtant, il y a quand même pas mal de moyens d'avoir de, de la belle. Ah, c'est bien ça. Super. Et eh bah ben, là, du coup, c'est euh, des zombies. C'est quand même assez exceptionnel ça. Ce petit top deck, il, il fait plaisir. On prend pas de farouche comme ça, on va charger titan. Ouais. On perd un peu de temps. Je pense qu'il pouvait ne pas concéder. Je pense aussi euh... qu'il ne pouvait pas concéder en nous mettant des dégâts à distance. Mais Après, euh... si c'est trois montagnes en main, et... il oui, Il sait probablement ce qu'il a dans sa main. Je veux décréter Shin contre lui. Et je ne tu... suis pas sûr qu'il ait de la hate contre nous. tout ce que tu veux. Tu je ne peux, peux pas faire Absolument chose. rien d'autre. Euh, Qu'est-ce qui est pas fort Ce que j'enlevais souvent, c'était des... Idées. Il était une fois, mais là, comme on a rentré que des bêtes, non. Euh, Ordre quel... naturel, c'est un peu moins fort contre lui. Parce qu'il joue des blasts qui tuent nos, nos early Je que... le c'est nul. Hein. Tu peux enlever deux Camille, hein. C'est globalement. Alors, ça, moi, dans le Siding pattern, j'ai jamais touché. Parce que c'est ce qui permet de, de, ne pas ri... de, ne... de ne pas rien faire. En fait, si tu n'as pas ça, ouais. tu je fais rien dans le tour 3. Dans un format très. très, très ouais, ébro. mais gros, j'ai l'impression que ce que tu fais au tour 3, c'est capable de récupérer à chaque fois tous les quarts de puissance que ouais. tu as généré. Ça, tu peux enlever un hein, Empath farouche si tu veux. Ça, hein. c'est un truc que j'ai coté souvent une fois. Et spéologie ça fait quoi Ça, ça c'est bien quand même, Tu gagnes 4 PV Tu 4 PV que si c'est une cave, donc tu gagnes souvent pas 4 PV. Il y a combien de caves T'as 1, 2, Ah non c'est même pas une cave, ah non, ah, un non, des, des T'en as 1, 2, euh... Et t'en as une, une troisième. troisième. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas ouf. J'enlèverai un 30, un Je fais un mix comme ça c'est un peu chaud à 30, Deck un 30, parce que t'as vraiment un cœur que tu peux pas toucher. 30, je... tu 30, 30, 30, 30, 30, 30, les 30, une fois. Parce que c'est 30, 30, J'avoue que les camis, moi, ça dégagerait. Hein. Tu sais, en moderne, les gens, ils jouent des et c'est tout. Et... et ça leur va très bien. Quoi. Ah quoi. Mais en moderne, ils ont euh... amulette. Ouais, Avec bien un sûr. un de plus. Mais je veux dire, ce camis-là au tour 1, il fait il... rien, quoi. C'est pas mal, ça. Hein ouais, ouais. Ce, ce camis-là, en soi, en tant que tour 1, il propose pas, pas grand-chose. Bah, il quoi. fait comme paisseur. Il te permet de lander un land de terre. Ouais, c'est le même effet. Ah, je croyais qu'il te permettait de récupérer un land, moi. Non, non. Il fait la même chose. Ok, d'accord. Non, du coup, il. Il est acceptable. Babiole. Et on va faire ça comme ça. Il sait pas la carte qu'on pioche peut-être. Exact. Ou alors je pioche quand même. Tant pis. Non non. bah ben non. On enlève lui une info. Ouais, mais euh, je diminue peut-être mes chances. Ouais, je sais pas. Ça change pas grand chose dans tous les cas. Pour le contenu. Le petit épaisseur. Vas-y, vas-y. C'est va la voir. forêt qu'il avait vu. Ah, la forêt est au milieu. T'as vu Ouais. C'est comme s'il avait vu la troisième carte. Peut-être qu'il a demandé. Hein. Non, non, pas celle du dessus. Euh... Je voir juste Fais-moi -fais lire le Camille. Attends, j'ai peut-être mal compris ce que ça faisait. Ah, d'accord, ok. Moi, je crois que ça te cherchait un terrain et tu le mettais dans ta main. Non, non. Enfin, euh... Un terrain de base, quoi. Euh... Ok, d'accord. Tac. Okay. Tac, okay, on met Citadel. Vert. Et ça, vous voyez, si j'avais euh, Château de Garambrigue en main, euh, avec le Camille, on peut faire Nymphe, quoi. Ciao. Il, il a raison. Mais en même temps, c'est des dégâts euh, qu'il ne nous met pas dans la tête, quoi. Ouais. Bon, globalement, son deck, il va avoir beaucoup de mal à battre le nôtre. Hein. Je crois qu'il était en Molligan, euh, Il ne nous fait pas grand-chose là. J'ai un bloqueur. Ouais. T'as même un meilleur bloqueur, si tu veux. Mm. Mais on, on va attendre. Bon, ouais, je vais attendre de gagner mes peuves avec. Parce que ce qu'il qu va exiler, il pourra pas trop le caster. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que cela dit, il peut taper avec Ragavan, t'en as vraiment rien à faire, quoi. Ouais, ça va. C'est plus le trésor pour qu'il développe des trucs chiants. C'est quoi le c'est une carte euh... alchimie, C'est ça en fait, ouais, d'accord. Ouais. Ok, c'est pour ça qu'elle existe pas euh, en moderne. Je vais jouer, ça je crois. Pas trop de non, je vais mettre ça comme ça. C'est en... déjà là. Je vais penser en fetch. Fait, je vais poser mon clown. Ouais, faut poser ta forêt en vrai. Là, je sais pas s'il y a beaucoup d'optimisation. Euh... Ben, je peux aller chercher mon bilan de rouge pour ça sans payer de points de vie. Okay. ok. Ok, Il va connecter du coup avec notre ami n'y J'ai qu'un bilan de rouge, donc je vais le chercher maintenant. C'est une exil. Ouais, c est c est le pique, c'est un peu relou. Moi, j'aurais été joueur. Ah ouais Vas-y, alors tu me le piques ou pas ah, Moi, dans ce format, j'ai arrêté de jouer. Parce que vraiment, le, le moindre petit jeu, euh, ça dégage. Ah, c'est dommage. Voilà, bon, on veut des cartes actives. Hein. Deck. Ah, il peut lander, rééclairer la piste. Moi, ouais, mais il perd ses cartes. Non, c'est jusqu'au prochain tour, je crois. J'ai jamais les exiles c'est jusqu'au prochain tour Ouais. D'accord. Ouais. Euh, là, je vais gagner 4 points de vie, virer son cimetière. Ouais, faut que tu l'en... Faut que je lande... De... Ouais, faut que je lande vers... Ça. Et même pas, hein. T'étais pas obligé de lander vers la cime. Il te manquait... Euh... Ah non, si, ouais. Ah non, 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 que, non, non t'étais pas obligé. Non, euh... je me suis... J'ai du, du coup, Ozef... De toute façon ça change pas grand-chose. Exilé, gagner 4 points de vie. Attention ça, je me suis fait avoir une fois. Quand l'adversaire joue l'anneau unique, tu peux pas lui exiler le cimetière. Ok. Parce que du coup tu peux pas le cibler. Ouais ouais, tout à fait. Souvent en fait je prends en compte que je cible le cimetière moi. Alors que non je cible le joueur et c'est son cimetière. Et du coup... Ah c'est marrant ça. ça. Ça va pas être très utile. Ça marche que sur les créatures vertes donc.. Il n'a pas de cible. Et pas de cible, pas brillant quoi. Bon, ça va par contre, euh, la dro euh, poulet. Je comprends pourquoi il garde sa main. Il a une mitraille ah, à la fin. Je comprends pourquoi. Euh... Ouais, tu as bloqué au repère de vie tranquillement. Hein. On a pas ouais, bon, ça va, tu plus de t as, t as lande... 19, Elle est bien ta main, là. oui, oui, mais du coup, t'as euh... tellement de top deck en fait. Ça le laisse haut. revenir alors que nous on fait rien. Par contre, un champ des morts top decké. Alors bon. là, t'as un champ des morts, t'as n'importe quel en pas de farouche, t'as. Euh, ça marche aussi avec Natural Order sur ton repère de l'hydre, t'as trop alors, de trucs qui sont bien quoi. X égale 4. Ouais. Ah. What Tu peux faire X égale 5, mais ça change pas sur la foudre que tu vas te prendre. Ok. S'il a deux comme ça pile, c'est chiant. Non, je crois qu'il veut utiliser sa foudre. Ah ouais Mais comment hein. j'ai calculé, attends et du coup il utilise pas euh... Ah bien, ok intéressant C'est quoi qui t'a piqué Ah oh non deux, deux fois Garmoig Ah Grambrig Ah Grambrig Bon, ouais, de toute façon land, donc euh, On peut tout caster. Ouais, ouais, pas 6 ouais. avec ça. Ah, ben, Attention boulet, moi j'ai ça hein Il l'a pas vu je crois. Ok pas vu ouais. Et bah ben, ça va dégager du coup. Avant okay, ah, bon, du pas oui, mis, du coup. Ce sera... Ouais mais Camille je vais, en... je vais le transformer en forêt je crois. Tu veux pas... Je euh... discard pour avoir deux forêts, non c'est peut-être pas mieux, c'est peut-être mieux. Moi je serais euh, Team, ouais. je son board là maintenant. Ouais et je, et, et, et je joue Camille pour bloquer un ragavandash. Ouais. Je joue Camille pour bloquer un Ragavandash. sais pas si c'est mieux mais... Enfin, J'ai l'impression que là dès que tu trouves un champ des morts c'est GKMAD donc euh... donc. Euh, bah plus maintenant, il faut un autre land euh, différent. Tiens, je vais mettre en jeu. Il dit géant aussi. Oh je peux donner la S, je hein. Qu'est-ce que t'en hein. penses? Bah j'en pense, vas-y, ouais, let's go. Hein. Et puis bien, derrière, il fait Dash Ragavan. Et puis je suis et tu gaille... meurs mais attends, il est pas à 20, il était à 19, tu t'es battu quoi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, il a la bonne carte par contre. Ouais. Malheureusement. Mais voilà. J'ai plus de questions, sur s'emmerde. Il y a un, un moment que ça. A... Il faut arrêter de s'emmerder. Il y a un moment ça allait tomber de toute façon. Joli, merci. On avait 5 lentes différentes, donc on prenait un champ des morts et autre et chose. une fontaine, de... je pense. Et une fontaine ravieux. Fontaine de jouvence. La fontaine du J. La meilleure fontaine. Ah oui. Et on passe rang platine 2. De... C'est beau ça. Ça fait plaisir. Rode tout diamant dans cette et vidéo. Hein. fait évidemment, ah oui, une petite supplémentaire. Oh, bien sûr. C'est quoi même de. On m'a dit sur Twitch, on m'a dit, mais là, euh, vu que tu fais que gagner, euh, tu vas passer diamant là. En mode, bah oui, effectivement, mais si euh... je fais que gagner, <laughs> il y a le Ross. Et je, je, veux pas dire. Si je risque de passer plus loin également, hein. voire même plus. Je pense Parce que c'est un deck qui run assez facilement. Overrun. Je ouais. pas cette version-là, mais vraiment très proche. Euh, J'ai fait euh, un stream à 4 ou 5-0 et un stream à euh, 7-1. Ouais, donc tu es dans les 11 ou 12-1 avec le, avec le deck. Mais comme c'est un deck très polarisé, en fait, ce qui est cool, c'est que si tu ne tags pas des match-up combos, c'est très dur à battre. J'ai tag 10 Pact. Donc il s'exile toute sa bibliothèque pour Trop deux bien. en éphémère. Trop bien. il joue une, bien. une bête et il a gagné. Ouais. Euh, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a exilé toute sa bibliothèque à la fin de mon tour. Ouais. Il prend son tour, il meurt ouais. à la meule. Ah oui, mais t'as affronté un parce gars sympa. Il, il a timeout et du coup il okay. a pas joué la deux, il est parti. Ok ok. Donc mon mauvais matchup il l'ai esquivé comme ça. Et encore que lui il est pas turbo combo, euh... t'as peut-être le temps de le tuer pas C'est un peu chiant. Mais ça Moi, moi j'avoue que jardin avec ordre naturel je le garde parce que si je joue pas bleu en face c'est win. En fait vu qu'on a deux jardins c'est ok. Mais si j'avais qu'un jardin contre un deck le russe, c'est un peu relou. On euh... serait pas un jardin, moi. On a que des landes. Bon, ah, c'est lui donner une cible, ça n'a pas de sens. Il a des Un antibête Ouais. Juste je sais pas si ça arrive à taper, mais dans ce cas-là, je ouais. On va faire un château. T'es content d'avoir ton marécage de boujoukas C'est bien. Autour 3 et 4, je vais jouer des jardins, peut-être. Ou 4 et 5, je sais pas. Le tour d'avant, l'ordre naturel. Après, franchement, s'il a une foudre, euh, est-ce qu'il le met sur ton jardin S'il connaît très bien le match-up, peut-être. Mais... En fait, l'idée, c'est de faire un jardin euh, juste avant l'ordre naturel pour que le tour d'après, je puisse faire jardin et ordre. Hmm. Si j'ai ma bête. Et après, s'il a deux gestion bien joué. Mais en même temps, tu peux gagner un tour sur l'ordre naturel en prenant le parti qu'il ne tuera pas ton jardin en faisant jardin au tour 3, l'ordre d'étape, tour 4, ordre naturel. Mais dans ce cas-là, t'es battu si bah, jamais il Le problème c'est que j'ai que des landes engagées, donc ça c'est que si je pioche un land d'étape. que si tu pioches un d'étape. Bon, j'ai 50% de piocher un land bon, allez, ouais. Je pense que je vais en piocher un d'étape. Mais... Et là, tu t'y attendais pas, Oko. Oh quoi Ah, il joue pas une, il joue pas une version Storm. C'est une bonne nouvelle pour toi. Eh ben, t'es donc. Désolé. Le euh... décès. L'allergie. Euh, je vais mettre ça, je crois. Ouais, ah il non, a... il a besoin de son il cimetière, a... A, lui, peut-être. Ah, mais il a que ça. Donc je vais mettre ça. Ça met une bait. Et je vais mettre mon repère de l'INA. Ouais, parce que de toute façon, il arrivera plus à euh, dégager. Mm. Oh, t'es pas vernis, là, euh, sur tes landes. Ouais, on a eu de la chance de piocher ça, mais c'est vrai que c'est pas fou. Après, là, il y a 51% de chance de piocher un land. Et on va regarder sur le tracker. Euh, Comment il arrive à dégager. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Merde. On ne voit pas tous les landes, dommage. Il euh, y avait les forêts. Ouais, 12, 12, 12 sur 10. Donc 50-50 à 25% de chance. Ouais. Une chance ah sur 4 pas. dans l'land d'étape. À peu près. Ça ouais. se fait. À peu près. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, ouais. Sachant que Spéologie aurait réglé le problème aussi, mais ça tu l'as pas eu. Mais Il... non. Pas de gros bonheur ici. Il rejoue rien. trois points. Je prends. Et on pioche un nombre. Mais voilà. Mais voilà C'est facile. Eh facile Non mais c'est bien. Facile Non mais c'est bien Au lire, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est très très bien. Euh, faut neiger Oh ouais. Oh, enneiger. Ouais. En... En là, on s'en branle. Tu penses que tu veux Eh non, il y en a un qui arrive à engager. T'es KT. Je prends pas tout. Oui, non, tu penses que tu veux qu'il y Que tu veux. Ah, même euh, que, pu que tu veux. Terrain de prédilection au cas où. Non, on s'en fout. On oh, là pour y aller, nous. Je valide. J'en ai un dans la main, donc je vais prendre de quoi casser l'autre. Euh... J'ai un château de guerre en briques déjà, donc je vais mettre une. Tu vas prendre un champ des morts surtout. Ben en fait, de prendre les champs des morts quand ils trigger, ça fait trigger plus de fois, je crois. Ok. Si je dis pas de conneries. Euh... Ou sinon, je prends de quoi donner la haste à l'autre. Tu prends de quoi donner la haste à l'autre, mais tu peux pas parce que t'as pas de rouge. Et justement, je prends terrain et ça. Et tour d'après, quand je vais caster Titan, il peut rien y faire normalement. Ok. C'est bon. Vas-y. Fais con. Je... Ouais, ouais, bah écoute, montre-moi. Je... En fait, là, je ne faisais pas de zombie. Tu de faisais de pas de zombie donc tu perds rien ici. Et là, du coup, quand je vais caster Et tu lui. Tu vas à le tour d'après. Brigue. Pour 6, je le casse. Normalement, j'ai de quoi Non. Malheureusement. 1, 2, 3, 4. Avec sa 6. Ah oui, avec, Ça, avec et du coup, j'attaque avec les deux et je vais chercher mes trois. Putain, je croyais qu'on s'était trompé d'un mana parce qu'on n'avait pas sept mana... Enfin, on n'avait pas besoin de sept mana, mais huit mana. Mais mm -hmm. en fait, on a Château de Garandbrik qui corrige ça. Ouais, il arrive d'étape avec ça et. Ouais, ouais, c'est bon. Et, et du ouais. coup, tu vas pouvoir payer Garandbrik pour ouais. gagner deux mana dans l'équation. Putain, il est bien ce deck. Hein. Il est bien. Allez, quand quand tu as un petit peu joué, parce que les séquences de land, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Ouais. Mais ça va euh, encore. Ça te régale. Je suis pas sûr que ça soit plus dur que de fêter euh, dans tes cinq couleurs. Quoi. Le, le premier mais euh, oui. réflexe, tu vois, tu me dis, ah, on prend Shawn et Alors qu'en fait, quand tu calcules, oui, tu alors dis que là, tu pas besoin. Ouais. Tour d'après, je ferai mieux. Je de faire de ouais. ça ace, quoi. Il joue pas combo, donc il va pas gagner contre nous. Il et s'il le sait, il va peut-être même mais partir. Il joue ça et il doit jouer les dropins 1 qui utilise le cimetière. Donc moi, je fous ça. Tout et fait. ça, et c'est tout. Est-ce que alors, Créter tu le fais pour disrupter son cimetière aussi Ouais. Et s'il joue aggro, on gagne 4 pèves. D'accord, ok. Euh, J'ai rentré des trucs, donc j'enlèverai un, un petit. Il était une fois pas de farouche. On enlève les spéologies, hein, c'est globalement... Le... Hors de naturel, ouais. je suis pas fan moi de les enlever. Hein. Il, il n'y a, a peut-être pas beaucoup d'interactions. De... Ouais, quand même, il joue raccousse, mais bon. On peut enlever plutôt euh, spéléologie et en pas de farouche. En fait, ça, c'est un tuteur de plus pour ça, mais bon... Ouais, ouais, ouais. Non, mais aussi, on est bien là. Quand, en fait, dès que vous avez un match-up où vous allez écraser votre adversaire sur le long terme, vous, ça aide que pour pas mourir au début. Ouais. Parce que si vous n'êtes pas mort au début, vous allez gagner. Et les petits malins qui jouent des trucs pour vous enlever vos cartes de clés de combo, là par contre, faut faire un peu attention, mec. Mais... Ça, l'avantage, c'est que t'as le droit d'être approximatif contre les matchups qui sont plutôt favorables. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un land. Enfin, j'espère que c'est un land. Alors, avec 32 lands sur 60. C'est Un land. Sur 53. Euh, du coup, sur... 30 lands sur 53. Ouais. C'est encore mieux. Donc il y a joué effectivement ça. Euh, non, je pioche d'abord, je crois. Ok. Donc là, alors là c'est dommage parce qu'on pioche ça quand on a très peu de lands en main. En un champ des morts maintenant. Oh, champ des morts comme ça, ça fait zombie. Contre Gare en Brigue, je crois. Ah, euh... ah, tu peux chercher un truc spécifique parce que t'as déjà une lande venteuse. Ok. Ouais, je prends prendre Je prends Garandrick. Je pense c'est un ouais, des meilleurs vais... lances du deck. Vecher. Forêt. Pour en ah, Vous avez pas beaucoup d'opportunités d'aller chercher ça, donc dans les matchups euh, pas gros, euh, prenez-le assez vite quoi. Pour en neiger comme ça, tu as moins de chances de te faire. Euh, C'est mieux que ça. Ça résiste mieux. J'en ai mort. Comme ça, on a deux mana vers des d'étape tour d'après. Oh, de toute façon, on les aurait eu. Mais... On a 56% de chance de trouver un land sur la prochaine draw. C'est ça l'avantage d'avoir 32 lands. C'est que tu veux des lands dans ce deck-là et ouais. tu les trouves de manière assez raisonnable. Si on a un land, euh, on peut encore double land drop au tour 2. Ça m'est arrivé des fois de faire land tap tour 1 d'ailleurs. Tour 2, pesseur Camille. Ouais. Tour 3 Titan. Ouais, ouais, À la main, genre. Ouais. Euh, à la mano, grand. comme un grand. Euh, il enlève ça. Oh, oh je, je suis tombé contre un joueur hier, hyper fort pour le Délirium. Yep. Il a Canaliseuse. Ouais. Il fait deux spells. Il a Délirium, il met 3. Mec, c'est le deck. Je fais OK, il est chaud. Je lui existe son cimetière. Il, il fait, fait OK, 2 spells. Canaliseuse, Délirium, 3. Je fais OK, ça me fait chier. Le boss. Là, ça m'énerve. Ah, ils sont forts, les mecs. Et là, c'est pas grave en fait. Bah bon, attends, là, deux spells Là, tu bloques, fais gaffe, il donne le délire. Je te le dis. Imagine. Il a combien ah, Vas-y, je prends le pari. Non, mais non, il... attends il est à 3 sur 4. Il va le trouver le délire. Ah, il faut juste un éphémère. Ouais. Il faut juste un éphémère. Ah, ouais. C'est <laughs> pas dur. Hein. Ah, ouais, ça dépendait, tu vois. S'il manquait un truc chiant, genre créature. Euh... Bon, par contre, ça va le redonner euh... un, assez rapidement. Et du coup, on ne va pas jouer ça. Je pense que tu joues un crétéchine pour bloquer. On ouais. va jouer un bloqueur, ouais. Tranquille, quoi et et en fait ça on va le discard pour faire des forêts ouais ouais c'est faut pas sous-estimer cette ligne on l'a fait assez souvent non bah là ça sera utile le tour d'après ouais. clairement ouais. Ah, vous allez dire avec 32 landes on n'est pas censé la faire souvent mais des fois et oui il se trouve que des vraiment fois, une bonne carte fois, ça. Le jeu ça tu vois c'est le genre de carte alchimie qui me dérange mais je me disais, pas. pourquoi on joue pas ça en moderne parce que ça, ça, ça existe, existe pas. pas en moderne mais tu vrai. vois à, pas, à peu de choses près ça pourrait exister non c'est vrai et euh, c'est. Pas. pas le. Ah, tu vois. Non, donc mais c'est plutôt ce que ça représente en mode putain, je peux pas la jouer en papier donc ça me fait ouais. chier. Ah, bah, euh, va chez les landes. Ça très bien. Alors je peux prendre ça, mais le risque c'est que je trouve pas de landes quoi. Non, vas c'est mieux euh, de. Là, il fait rien malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui. On jure donc là. Et comme ça fait des forêts de base avec un skin moche, euh, c'est pour ça qu'on va plutôt chercher des forêts enneigées. Les forêts enneigées là, ça marche bien. Et ça, c'est effectivement, faut que tu joues un peu le deck ouais. pour à ces patterns là effectivement le fait que tu une bonne dizaine c est... C est de games c'est ces pas mal ouais c'est pas mal du tout c'est des trucs qui viennent vite mais il faut les avoir joués pour, ouais. euh, pour avoir l'optique quoi ça ce genre de plan de jeu un peu rampe écrasant euh, quand ça marche je suis fan bah, j'aime parce qu'en ouais. plus c'est rampe mais c'est rampe un peu noble tu vois tu vas chercher des lampes t'as un 6 6 ou attention quand même oui mais tu... <laughs> en fait as que 4 6 6 dans le deck c'est giga noble t'as euh... pas euh, que des pâtés genre euh, quand on jouait artefacts en standard on avait le lycéeur de métropole, oui. le 4-4, ah qui mais fait des 4-4. C'est euh, presque, je plus presque un deck combo, euh, en fait, ce deck-là. Ouais, c'est à la frontière, tu vois. C'est combo grind. Presque un deck combo, ouais. Ah, belle Et on va quand même euh, le péter, hein, pour le coup. Mais oui. bel essai, bel essai. Ouais, ouais. Moi, quand on a un deck mono vert, qui a plein de crété c'est pas ouf, l'une de 100. Je pense qu'il devrait plutôt essayer de maxer le côté. Euh... Ah et en même temps ça fait un peu de disruption sur les champs des morts. Oh Regarde ce qu'il va faire, c'est rigolo. Je me demandais à quel point c'est bien de rentrer Blue Moon contre nous. Il va casser un truc du cimetière là, et du coup il n'a plus le Ouais. Il va pas faire ça quand même. Alors, casse ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. Allez, chaleur un pi <laughs> Fais pas ça Rends-toi compte sais ça marche aussi. Oh, Coucou erreur. Après il peut retrouver avec le surveillant, mais. On peut retrouver avec le surveil, mais il faut trouver un rituel spécifique. Il a trouvé une créature, bien joué. C'était prendre des risques. Moi, je n'aurais pas fait. C'est un peu touchy. Je bloque, du coup. En espérant qu'il n'ait pas de lune de sang. Mais bon, ce sera sur 16 cartes, tant pis. Euh, forêt. Et encore que même s'il a deux lunes de sang, tu joues quand même à Magic, t'as tes deux foreux pour caster ton titan. Enfin, je veux dire, il gagne même pas sur une deuxième lune de sang. Je suis pas persuadé que ça soit incroyable contre nous. Tu sais, c'est les trucs qui ont l'air bien et qui le sont pas nécessairement. Pays. Comme au moderne où les gens détruire, ils. Détruire, exiler, détruire, exiler. Les gens ils rentrent des Blood Moon contre les decks 5C, mais les decks 5C ils, sont 5C ils sont vachement bien fixés en fait. Et je mets même trois points, c'est sais quoi Ouais, bien sûr. Les CNC. Ils ont plein de, plein de terrains de base. Alors que finalement, Blood Moon, c'est plus une carte. Ah, mais il y a un tout bleu que sur rien. Il y a oui. du vert. Qui, à mon avis, assez anecdotique. C'est pour payer euh, la capacité à chaman, je pense juste. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Je, je pense. Yeah. Deuxième capa est vert. Alors ça. que finalement, ah, Blood Moon, tu le veux peut-être plus contre des trucs comme Urza Saga, comme des trucs un peu, un, un peu utilitaires. Et, et là, ok, ça vient contrer le côté utilitaire de Champ des Morts. Mm. Mais ça t'empêche quand même tellement pas de l'écraser à coup de 6-6. Bien joué. Ouais bon, C'est maigre, hein, tu vois. c'est... Ok. Voyons voir. Bah, Titan. Hein. Pas qu'il top d'excésie, quoi. Pas qu'il top d'excésie. Mais encore. Même dans le pire des cas du monde, il top d'excésie. Est-ce qu'on s'en fout pas Il est pas actif, Titan, le tour d'après. Ça fait chier. Non, mais t'as un 6-6, quoi. Et un 6-6. Ah, Titan est actif, mais Charnay n'est pas pas. Hein. Et il est loin d'avoir une olite pour le, pour le déloger. Donc c'est top deck saisie ou rien. Ouais. Mais en même temps, ah ben non, c'est bon parce que si saisie saisit, tu sais très bien ce qu'on pioche. Oui, c'est vrai qu'il y a le bug de saisie. Donc finalement, le saisie bug, le saisie bug. Alors, en vrai, c'est même mieux s'il fait saisie, comme ça il perd de pev Donc en fait, j'espère qu'il a pioché saisie. Donc on connaît la méta non ah ça c'est sûr, si vous avez pas un peu de bouteille, euh, ouais. vous comprenez pas. Vous mais... savez pas, vous savez pas. Vous allez voir. Ça passe par beaucoup de frustration. Et ensuite c'est bon. C'est intéressant ce qu'elle a soulevé cette game, tu rentrerais Blood Moon contre toi-même, toi, toi qui as joué le deck là, euh, file Oui. Parce qu'en ah. fait. Est-ce que tu perds pas justement sur le côté, ouais. il faut que je passe en dessous en fait. mais ben, en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que si le mec déjà il sait pas que tu vas jouer Blood Moon ou que tu vas rentrer. Parce que bon. tu vois, t'as un. Bah, il a plus Lurus, donc ça tu le sais. À un moment, tu le sais, mais tu vois, si euh, tu sais pas, nous dans le side, on a rentré ça notamment contre le cimetière oui. et au cas où, et ça marchait bien, mais ouais. j'avais un truc de plus en tierce et enchantement que j'ai pas rentré. Ouais, ouais. Que j'aurais rentré si j'étais sûr. Non, mais admettons, la blue Moon, elle résout et ouais. elle reste sur le board, je te parle. Est-ce que tu penses que tu perds quand même Alors, avec la version que j'ai jouée, qui a un peu plus de late game, non. Avec cette version, c'est quand même chiant. Parce que Chaleur impie, ça enlève Titan qui euh, ouais. t'a fait juste ramper, mais avec des montagnes, hum. et euh, tes champs des morts sont pas actifs, je pense que vu que ce deck, en fait, il a pas trop d'armes contre nous, il est obligé de jouer Blood Moon. Ouais, okay. Son Lurus ne fera rien contre nous. Parce que moi, je, je me disais en mode, le plan, c'est que de toute façon, tu peux pas passer au-dessus, tu peux pas essayer de le disrupter. En fait, avoir des Blood Moon, c'est retarder ton plan agressif. J'ai l'impression que tu veux juste aggro. Bah, bah c'est le plus vite possible. Quoi. Le truc c'est qu'il a et... facilement des trucs à enlever, je pense, dans son deck. Oui, et donc mécaniquement par les, euh, les siding je... patterns, ça Alors, lui coûte pas grand-chose. Bah, il peut coter un peu de foudre. Ah mais ça ça va dans ta tronche, tu vois. Ça va dans la tronche, mais bon. Ah, ouais. Genre le temps que ça te fait gagner l'une de 100, bah nous il se trouve qu'on avait touché trois fois notre side, donc il pouvait rien faire. Ah, ouais. Parce qu'en plus, là où il, est, il a pas de chance, c'est qu'on a un Crétéchine qu'on a joué parce qu'on en a d'autres. Mm. Il nous en fait 10 quarts d'un deuxième. Mais on a le troisième. On a le troisième. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, t'es un deck qui a euh, des beaux Joues et compagnie, donc j'ai l'impression que c'est quand même difficile ouais. de. C'est difficile de perdre sur Blood Moon avec ce deck-là. J'avais déjà trois forêts quand il me la joue la Blood Moon. Enfin, deux ouais. en jeu, une dans la main. Donc en fait, ça, ce sera une 6-6 qui devra gérer. Et en fait, le pire là dans la game pour lui, c'est pas qu'on ait récupéré nos champs des morts, c'est qu'on ait exécuté son cimetière. Ouais, mais c'est l'enfer hein, ce match pour lui. Mmh. Une catastrophe. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, à sa place, je le rentre aussi. Mais en fait, à sa place, tant que ça, c'est dans le méta aussi présent, je joue pas je joue ça. Parfait. <laughs> euh, peu... Je joue ça pour attraper des combos euh, fast. Ouais. Mais, euh... Et encore, t'as pas de bleu, donc c'est peut-être un peu chaud. Je joue pas ça. Mais ouais. C'est un très bon deck, mais pas actuellement. Ouais, Il y a ça. trop de, de gros prédateurs. Ouais, bah, t -t tous les decks qui sont un peu euh, Uro et compagnie vont te passer un peu au-dessus. Euh, tous les decks ouais. comme ça, Titanfield, ils vont aussi te passer au-dessus. Euh, peut-être contre les decks combo, tu vas être bien, ouais, voilà. Combo. Ouais, combo rapide, ouais. Combo okay, rapide, bon, en tout cas, ce deck-là est super fort. Hein, si vous voulez grinder le ladder, ah, euh... il est délicieux à jouer en plus. Je pense que pour monter le ladder, euh, tu sais on conseille pour euh, avoir un, voilà monter un ladder le plus rapidement possible. Il y a toujours un deck qui le fait mieux que les autres. En ouais. standard, c'est souvent mono -raid. Ça. Je pense que le mono -raid du timeless, c'est lui. En fait, ouais, il faut pas prendre un deck à 80% win rate. faut prendre un deck à genre euh, 55% win rate sur des games de 2 minutes. Puisque du coup, euh, le temps que vous allez. Euh... Passer à faire vos games, vous allez monter plus vite qu'un deck qui gagne toutes ses games mais très lentement. Ouais, c'est ça. Donc, euh, par exemple, genre. Et euh, euh, surtout, plus, Dr en plus Turns. Si Il a des matchups qui sont tellement polarisés que mm. euh, finalement, dès que tu tombes sur un deck combo, bon, bah tu sais que t'as perdu, tu peux concéder vite. Ouais. Et, et le et... reste. Et le reste, il va quoi En fait, c'est ce que je disais en stream c'est dès que je voyais que le type, il voulait jouer une game, ouais, ouais. il allait perdre. Exactement. C'est parce et que moi, la game elle va être trop longue J'ai beaucoup joué avec des euh, scoops Yorion, Midrange et tout Et c'est super dur d'attraper ce deck bah ouais. C'est bah, compliqué Yorion... Dès que tu veux jouer une game comme tu dis ça va ouais. faire Dès que je vois Yorion en face je sais que dis... c'est dilué Tout ce qu'il veut faire contre moi Et que je me dis où oui, il va bien me laisser faire ouais, exactement Pour vraiment et, une très bonne et, partie Et en late game tu vois moi j'ai un deck avec des Oko, des Uro, hum. des Yorion Des LyLine Binding et eh ben j'ai pas le late game, gros. Je ben, gagne pas le non. late game. Après, side, moi, je vais exiler ton cimetière. C'est une enfin, hein. C'est très, très dur, quoi. Donc, vraiment, super deck, voilà. Re recommandé, recommandable. Mmh. Et en plus, on vous a présenté une version budget dans les decklist budget, donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais. Par contre, attention, les deck grind euh, qui vont faire des trucs un peu oko et tout, ou c'est pas déconnant de rentrer votre B mode de cratère. Parce que même si ça peut paraître lent, de pouvoir aller le tuto avec en pâte ou euh, en naturel. Ouais, en fait, il y a un moment où l'adversaire est obligé de vous laisser un peu de board parce qu'il doit lui faire des trucs. Et c'est le moment où vous faites un behemoth avec 2-3 bêtes. Hein. Il est mort. Il mmh. va se piquer tout seul. Il va passer souvent entre 10 et 14 PV. Et là, un behemoth avec une bête qui reste, c'est létal des fois. Bah ouais. Genre Titan et behemoth. J'avais un Titan 3-3, transformé mmh. par Oko. J'ai fait behemoth. Et du coup, bah, c'était une 5-5 et, euh... et une 7-7. Euh... Ouais. 12 points. Il est mort. Donc. Euh... Non, je te le ce deck. Il est. Alors, euh, compliqué à masteriser, mais easy to learn pour ceux qui veulent débuter. C'est pas le deck le plus cher du format, il est super fort. Ouais. Manger dedans. Oui, exactement, c'est très très bon. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Balpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la, la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.